peuple de Dieu, shalom. Je vous bénis tous par le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse, vous tous qui êtes à ce moment connectés pour nous suivre, pour que vous puissiez nous suivre en direct. Nous sommes entrés par la grâce de Dieu dans vos maisons pour que nous puissions partager au travers de cette vidéo 30 minutes dans la présence de Dieu, le secret de Dieu par rapport au temps de la fin que nous sommes en train de vivre, ce qui est écrit dans les Écritures de l'Éternel. Prions l'Éternel. Éternel, nous bénissons ce moment encore de plus. Que le Saint-Esprit, l'ami fidèle, vienne à notre rencontre. Enseigne ton peuple, instruis chacun qui est connecté à ce moment. Que ton peuple soit béni au travers de cette vidéo. Que quelqu'un se retrouve et que les yeux s'ouvrent et que nous comprenions le temps et le moment où nous sommes entrés de passer. Seigneur, que le Saint-Esprit soit encore là pour édifier, fortifier, parler à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de l'Éternel. Nous voulons partager la parole de Dieu sur la révélation de l'Apocalypse par rapport au temps que nous sommes en train de passer. Beaucoup de réalités s'est passées au milieu de nous. Beaucoup de choses continuent à se passer au milieu de nous. La maladie, plein de réalités que chacun se pose la question. Au fond, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui va arriver? Nous sommes là pour donner des réponses à ce que l'Éternel attend de nous. Et c'est très important que nous devons savoir cela pour que ça fait partie de notre salut. Prenons nos Bibles dans le livre de Apocalypse chapitre 13. C'est là où nous allons décortiquer la parole de l'Éternel. La Bible nous dit ceci, Apocalypse chapitre 13, dans son verset 1, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur cette tête, de nom de blasphème, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon qu'il donna, sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adoreront le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoreront la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous allons sauter dans le verset 11, dans le même livre de l'Apocalypse. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Ça, c'est le deuxième bête. Le premier bête, la Bible nous dit, il avait 7 têtes et il avait 10 cornes. Et le deuxième bête, la Bible dit, le premier bête montait de la mer. Et le deuxième bête, la Bible nous enseigne, il montait de la terre. Une bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête à sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer les premières bêtes, dont le blessure mortel avait été guéri. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par le prodige
qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête soient tués. 16. Et elle fit que tout petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. 17. Et que personne ne puisse acheter le nom de la que personne ne puisse acheter sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et non, et son nombre est 666, donc 666. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier pour la gloire de Dieu. Merci Éternel pour ta grâce. Encore Éternel, une fois nous approchons de toi, humblement Seigneur, afin de te demander de nous guider tout au long de notre étude de la prophétie biblique. Puis cette étude nous apporte la consolation et l'espérance en ces temps difficiles que nous traversons. Nous te remercions à l'avance d'écouter notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous avons vu l'alertie et nous avons écouté l'alertie, pardon. Au travers de cette alertie, la Bible est claire et la Bible nous enseigne. La Bible est en train de nous enseigner le débet qui devait apparaître sur la terre. L'un des bêtes sortait dans la mer et l'autre sur la terre. Et nous allons voir ces bêtes, la légion de ces bêtes, comme nous décrit la parole de Dieu. Si nous avons l'image, que Dieu bénisse. Vous allez voir l'image qui est lancée devant nous. C'est la bête que la Bible nous enseigne. Cette bête, la Bible dit, c'est cette bête qui sortait de la mer. Et la Bible dit, cette bête avait sept têtes et 10 cornes, comme l'Écriture nous enseigne. Et la Bible nous dit à cela que la même bête qui sortait de la mer, la Bible nous enseigne et que cette bête, c'est celle-là que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, enseigner le peuple de Dieu, instruire le peuple de Dieu, pour que nous ayons la connaissance des choses du mystère de Dieu dans ces temps de la fin que nous sommes en train de vivre. Ici, la Bible nous parle dans Apocalypse chapitre 13 que cette bête, il sortait de la mer. Il avait sur lui 7 têtes et il avait aussi sur lui 10 cornes. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible nous dit, si nous allons plus loin dans la connaissance de la parole de Dieu, nous allons voir et que la Bible est en train de nous enseigner, si nous voulons comprendre mieux cette prophétie biblique et le secret gardé de cet livre, nous allons aller plus loin pour comprendre la parole révélée de l'Éternel. Matthieu chapitre 24, dans son verset 15, lisons tous la parole de Dieu. Jésus dit ceci: lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que c'est lui qui lui fasse attention. Est-ce que vous avez écouté? Lorsque vous verrez l'abomination, Matthieu chapitre 24, verset 15, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, lorsque vous verrez cela,
qui a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que c'est lui qui lise face à attention. Donc ça veut dire que la Bible nous dit, si nous allons plus loin, que nous possédons maintenant, que nous possédons les outils nécessaires pour que nous puissions mieux comprendre la prophétie biblique, attendons-nous à attendrons dans le vide du sujet. Entrons dans le vide du sujet. Vous allez voir et que la Bible est en train de nous révéler quand vous verrez la désolation. Quand vous verrez ce qu'a parlé le prophète Daniel. Sachez-le que quand... Alors que ça veut dire que le prophète Daniel, il a parlé des choses qui devaient arriver. Il a parlé des choses dès son temps et ce qui devait arriver et jusqu'à la fin des siècles et de ce monde, on peut dire d'un seul mot. C'est la Bible qui nous révèle cela. Donc ça veut dire pour que nous puissions mieux comprendre le mystère qui est dans l'Apocalypse et dans ce livre, nous devons immerger et aller plus loin dans le livre de Daniel. Si nous accompagnons le même verset dans Ésaïe chapitre 46, verset 9 à 10, la Bible nous dit ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ça, c'est Dieu qui dit par rapport à sa grandeur. Comment est-ce qu'il est capable d'annoncer ce qui doit arriver avant que ça arrive? Ça veut dire Dieu a tout annoncé aujourd'hui ce qu'Apocalypse est en train de dire. La Bible dit l'Apocalypse nous enseigne et qu'il y aura un temps où cet animal qui sortira de la mer, nous allons comprendre que ce n'est pas un animal, et il sortira, il aura l'autorité d'agir, il fera de sorte même que les gens arrivent de ne pas acheter, de ne pas boire, de rien faire, tout autant d'avoir la marque 666 sur lui. Et la Bible dit, celui qui a l'intelligence, c'est là maintenant qu'il doit calculer. Et cet chiffre, c'est un chiffre d'homme. Je ne vais pas aller plus loin avec ça. Si nous voyons ce chiffre de 666, où tel a commencé? Nous allons voir que le chiffre de 666, c'est un chiffre. Aux temps anciens, il y avait un homme qui était César Néron, qui était un empereur. Et l'empereur César Néron apparaît à l'époque de la première époque de l'Église où il a persécuté l'Église du Seigneur. Il était un empereur. Il a persécuté l'Église en sorte que l'Église ne puisse pas évoluer ou prêcher Jésus-Christ là après Jésus-Christ. Et la Bible et l'histoire nous enseigne est que l'homme par rapport aux écrits hébreux comme grecs, les hébreux comme exemple pour que nous puissions mieux comprendre, aujourd'hui nous avons les écrits romains, nous allons voir que les écrits romains est déchiffré par des chiffres. Ça veut dire quand nous voyons X, nous comprenons que c'est le chiffre 10. Quand nous voyons V, nous comprenons que c'est le chiffre 5. Quand nous voyons L, nous comprenons que c'est le chiffre 50 ou 500, vous comprenez. Donc ça veut dire que c'est la même aussi, le nom de César Néron, à l'époque, c'est lui qui a persécuté l'Église comme antichrist, c'est lui qui était contre Christ. Si on déchiffre le nom par Kéro, son nom par rapport, je ne veux pas entrer par rapport à cette étude parce qu'il y a un tableau géométrique où on peut mettre le chiffre qui définit l'hébreu comme grec par rapport à sa à l'alphabétisation à au chiffrage qui peut nous détailler comment est-ce que ce nom a été chiffré. Et en allant plus loin, on peut aussi voir cela. Ça ne nous dérange pas. On peut essayer de voir cela. Si vous voyez, au moins ici, vous allez voir ce que je viens de vous lancer. C'est un tableau. Et dans ce tableau, c'est là où il y a
ce que je viens de vous dire. Donc, ça veut dire que vous allez voir là-bas, ça, ce sont les tableaux par nef. C'est le tableau où on peut déchiffrer le chiffre romain par des. On peut déchiffrer ces chiffres par des lettres. Comme je viens de vous dire, l'alphabétisation, exemple là-bas, on dit, quand on veut voir la lettre A était symbolisée par par le chiffre nef. Donc, à cela que nous pouvons déchiffrer le nom de César Néron, qui, en déchiffrant cela, en enlevant le voyelle, en prenant que le consonne dans tout sa tête, ça donnait le chiffre de 666. C'est la première personne dans l'ancien, dans l'histoire, qu'on vient déchiffrer son nom, qui donnait le nombre de 666. C'est là où l'Apocalypse dit, c'est le chiffre d'homme. Ça veut dire que ce n'est pas un chiffre d'une bête ou d'un animal, mais c'est un chiffre qui appartient aux hommes ou à un homme ou à un système. Donc ça veut dire qu'on doit les déchiffrer parce que c'est un homme qui doit appartenir à ces chiffres. Et le premier homme qu'on a calculé selon l'histoire, c'est César Néron, qui était un empereur qui a persécuté l'Église. Donc on comprend que les gens qui auront la marque de la bête, les gens qui auront cette marque en E, ils seront contre. Ce sont des gens qui seront appelés à s'élever contre l'Évangile, contre Jésus-Christ, contre la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons essayer d'avancer par rapport à notre enseignement. Prenez vos Bibles avec vous. Nous allons aller plus loin dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci, dans le livre de Daniel, comme la Bible venait de nous le dire, que pour que nous puissions mieux en parler, nous devons déchiffrer le mystère qui est gardé dans le livre de Daniel. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à ce moment pour la gloire de Jésus-Christ. Comme disait la parole de l'Éternel, nous puissions tous lire cette parole pour la gloire de l'Éternel. La Bible nous dit ceci dans le livre de Daniel, chapitre 2, dans son verset 1, la Bible dit: la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, gloire sera mise à Jésus. La Bible nous dit ceci: la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, oui, c'est le livre de Daniel. On peut le lire nous tous ensemble. Gloire à Dieu. Ça nous fera du bien pour la gloire du Seigneur. Daniel chapitre 2, verset 1. Prenez vos Bibles avec vous et lisez ensemble avec nous pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à l'Éternel. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, si nous prenons cette verset, la Bible nous dit ceci, et que la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, il y a eu un songe. Tout d'abord, quel songe qu'il a eu? Nous sommes dans l'an 604 avant Jésus-Christ. Sur la ville de Babylone, sur l'empire babylonien, là où il régnait un roi appelé Nebuchadnezzar. Et ce roi a eu un songe. Et ce songe, il avait la difficulté de pouvoir interpréter ce songe ou de savoir encore le songe qu'il a eu. Ça veut dire qu'il a eu songe, pardon, mais il a oublié le songe qu'il a eu. Mais c'était une songe pertinente qui l'a perturbé et il avait besoin d'une réponse de l'Éternel. Il avait besoin de comprendre vraiment ce qu'il a eu comme songe. Et la Bible nous dit, cet roi, en ayant cet songe, il était troublé dans sa vision et il avait besoin d'une réponse. Et si nous lisons, la Bible dit, le roi appela dans le verset D, du chapitre 2, verset D,
Il appela le roi, appela le magicien, les astrologues, les enchantres, les chaldéens, pour qu'ils puissent lui dire le songe. Qu'est-ce qu'il a eu comme songe? Et la Bible dit ceci, même tout ce que le roi a appelé, ils étaient incapables de donner le songe que le roi avait eu. Parce qu'ils ont dit au roi, selon le verset 4, ils ont dit au roi, ils ont répondu au roi dans leur langue araméenne, ils ont dit, ô roi, vis éternellement, dis les songes à tes serviteurs et nous aurons l'explication. Donc ça veut dire, à un mot, ils ont dit au roi, tu nous demandes une chose compliquée et difficile. Nous ne pouvons pas te dire le songe que tu as eu. Au moins, dis-nous le songe pour que nous nous t'en donnons l'interprétation. Et le roi a dit, si vous êtes puissant et fort, donc au moins je comprends que vous n'avez pas cette capacité. Comment est-ce que vous dites que vous êtes puissant, mais vous parvenez pas à me dire ce que j'ai rêvé, ce que j'ai eu comme songe. Et c'était un problème. Et le roi a décrété que si on ne lui donne pas la réponse de ce qu'il a besoin, le roi décrète de tuer, de mettre à mort tous ces hommes. Et la Bible nous enseigne ceci. Le roi a repris la parole et dit, vous voulez vous préparer à me dire de mensonges, de fausseté, en attendant que le temps soit chargé. Ça veut dire que même le roi savait que ces hommes, ils ont rien comme réponse. À chaque fois qu'ils ramènent des choses à eux, ils disent des choses, mais des choses étaient du mensonge, n'étaient pas vraies. Même le roi a compris et que les hommes qu'il confiait, ils n'avaient pas la capacité de lui dire réellement ce qu'il avait besoin. Oh, ma sœur, il y a des fois, toi aussi, tu te confies dans des magi avec le, chez le magicien. Jusqu'à présent, tu te confies aux hommes. Regarde cet roi Nebuchadnezzar. Il a reçu une révélation, il a reçu un songe, mais il n'était pas capable d'encore raconter ce qu'il a vu. Mais il lui-même savait que même ces magiciens, les hommes qui se voyaient puissants, ils n'étaient pas capables de lui annoncer et de lui dire ce qu'il a vu de vrai. Il y a une seule personne qui est au-dessus de toutes choses, c'est notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et si nous allons plus loin, vous allez voir la Bible dit. Dans le verset 12, la Bible dit, là-dessus, le roi s'est mis en colère. Il s'irrita violemment. Il ordonna que fussent périr tous les sages de Babylone. Ça veut dire que tous les sages devaient mourir à cause de ne pas être capables d'interpréter la vision. Gloire à Dieu. Et Daniel, quand il a écouté cela, la Bible dit, Daniel était l'un des rescapés au milieu de tout ce qui était l'un d'escapés au milieu de tout ce qui le roi ont pris comme en otage parmi les Juifs. Et Daniel était aussi là. Mais la Bible dit, Daniel demanda au roi de nous donner quelques jours et de ne tuer personne. Son Dieu est capable. Si nous voyons dans le verset 19, nous allons plus loin, la Bible dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu. Béni Dieu des cieux, c'est-à-dire ayant demandé à Dieu de lui faire connaître le songe et son interprétation, Daniel reçut la réponse dans sa prière. Il retourna vers le roi et le lendemain matin. Que l'Éternel aussi te soit favorable à chaque fois que tu demanderas, à chaque fois que tu prieras, à chaque fois que tu imploreras l'Éternel, que l'Éternel te soit favorable comme il a été favorable à Daniel. Daniel a reçu le songe que le roi avait eu. Daniel l'a reçu. Si nous voyons le verset 27, 28 et 30, la Bible nous dit quoi? Daniel répondit à la présence du roi et dit, il dit quoi? Ce que le roi demandait est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui relève le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Si le secret m'a été révélé, ce n'est pas que moi je suis moi une ça à moi une sagesse supérieure. Donc Daniel premièrement dit au roi que ce que tu as demandé à eux n'est pas de leur niveau parce qu'ils peuvent être ce qui est.
mais il n'est pas comparable à notre Dieu. Tu l'as demandé une chose qu'ils ne peuvent pas te donner. Ce n'est que Dieu qui peut te les donner. Ma sœur, où confies-toi? À qui confies-tu? Il y a une seule personne qui est le sage des sages, qui a la réponse de toutes tes prières, qui a la réponse de tous tes problèmes, qui a la réponse de tout ce qui te dérange. Alléluia. Gloire soit remise à l'Éternel. Et la Bible encore nous enseigne plus loin. Et Daniel commença à expliquer au roi quel était le songe que le roi avait récit. Que l'Éternel vous bénisse. Là, nous voyons la vision. Daniel dit ceci. Nous allons commencer. Vous avez ici en vous l'image. Dans le verset Daniel chapitre 31, verset 35, Daniel a commencé à expliquer le roi le songe. Il a dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. C'est le statue que vous voyez là devant vous. Et cette statue était immense, était grand et d'une splendeur extraordinaire. Et elle était debout devant toi, comme vous le voyez de vous, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, comme vous voyez là-bas, la tête 1 était d'or, était en or. Et il dit encore au roi, à part que sa tête était d'or, à part que sa tête était d'or, le deuxième point est dû au roi, et que sa tête était d'or, et ce qui est encore important que le roi devait savoir, gloire à Dieu, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, comme vous le voyez sur le dessin, et la Bible dit, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Il a dit encore, roi, tu regardais lorsqu'une pierre se détachant sans le secours d'aucune main, frappant le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Ça veut dire que cette statue que vous êtes en train de voir, il y a une pierre, comme dit l'homme. Il a dit, vous avez regardé, Père, il y avait une pierre qui était venue du ciel, qui a frappé la statue et l'a rendue en pièces. Gloire à Dieu. Et vous allez voir, en réalité, la prophétie de Daniel était vraie. C'est celle-là que vous êtes en train de voir. Il a dit, vous avez vu une statue, une pierre qui venait du ciel, qui était détachée. Ce que nous sommes en train de parler là, c'est ce que nous sommes tout simplement de vous présenter l'image de ce que Daniel est en train de voir. Il a dit, vous avez vu le statue, une pierre qui venait du ciel, qui est venue frapper à le statue, et le statue est devenu en pièces. Ça veut dire, tout ce que vous êtes en train de voir là, sera été détruit dans toute sa totalité, n'existait plus parce que il y avait le statut qui l'a rendu, la pierre qui l'a rendu en pièces. Donc ça veut dire que le statut que vous avez dit, et la Bible dit encore, mais après en pièces, oui, amis, alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or feront briser, tout feront briser ensemble et deviendront comme la balle qui s'échappe d'une heure en été. Le vent les emportant et nul trace n'en fit retrouver. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. La pierre qui a frappé là, ils ont dit, après c'est devenu une grande montagne qui a rempli la terre. Que Dieu vous bénisse pour cette première partie de 30 minutes comme a été dite devant vous et que Dieu vous fasse grâce. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons faire la récapitulation de savoir que dans cette première partie de 30 minutes, nous avons parlé. La tête était d'or, la poitrine était sa poitrine, comme on vient de voir, était, il y avait aussi une poitrine
et ses jambes étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, ce que nous venons de voir, et avec la pierre qui venait du ciel, qui a frappé, qui a tout détruit et qui est devenue une grande montagne. Ça, c'est la prophétie biblique que Dieu a révélée dans la vie. Dieu a révélé cela dans la vie de Daniel, et Daniel a vu toutes ces révélations par la grâce de l'Éternel. Oh, ma sœur, toi qui nous as accompagnés dans ces premières parties, que l'Éternel vous bénisse. Dans la deuxième partie, nous allons vous expliquer ça veut dire quoi. Toutes ces significations ont un significatif relié à tout ce que nous voyons dans ces temps de la fin. Et nous allons décrypter cela. Partie, ça c'est la première vision de Daniel. Il y a aussi la deuxième. Et tout cela, nous allons arriver. Que la grâce, la paix du Seigneur soit sur vous. Et nous allons vous expliquer la tête et dehors voulait dire quoi. La poitrine et ses bras de fer voulait dire quoi. Le ventre et le cuirasse voulait dire quoi. Tout cela, nous allons vous en parler dans la deuxième partie. Notre numéro est là affiché. Si vous voulez nous contacter pour votre édification, prière comme le reste, l'Éternel vous bénira. Que la grâce et la paix du Seigneur demeurent sur chacun de nous à cause de ce moment que l'Éternel nous a fait grâce. Laisse que mon Dieu vous fasse aussi grâce, que l'Éternel récompense chacun de nous là où nous sommes, de loin comme de près, que vous puissiez vivre la grâce, la paix et la bonté du Seigneur dans vos vies, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix du Seigneur règnent sur vous, que l'Éternel vous aime tant et que vous puissiez encore vivre sa grâce et sa bonté. Shalom. Appelez-nous, le numéro est affiché, que l'Éternel vous bénisse. Ha ha ha.